Bon après-midi, mesdames et messieurs. Voltaire disait, le travail est loin de nous. Trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Vous faites bien de regarder Canada International, c'est l'édition de la mi-journée qui s'ouvre à vous. Voici les titres. Trois fillettes abusées sexuellement par un quinquagénaire en Consamba. Le poteau rose a été découvert par la grand-mère le 15 août dernier. Le présumé coupable a été conduit à la brigade pour besoin d'enquête. À Garoua, 9 braqueurs sont mis aux arrêts par le commissariat central de la ville. À leur actif, plusieurs vols, agressions à main armée. À Yaoundé, les travaux de remplacement des 19 cellules de poste de transformateurs des néo à Mélène sont en cours. Dans ce journal, Rodrigue Tonguet nous fait le point. Et puis en sport, le round-up des informations sportives nous amènera tour à tour vers les Jeux africains. Le cyclisme avec la Transrégionale 2019, l'Afrobasket qui se termine ce week-end malgré l'élimination des Camerounaises et enfin l'athlétisme avec le tournoi d'athlétisme Kid. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec cette actualité de la crise anglophone. Ce sont les journalistes d'expression anglaise du Cameroun qui sont réunis à Yaoundé pour réfléchir sur comment participer au retour, à la normale. Les participants viennent de tous les coins, y compris de Bamenda, Kumba ou de Boya. Pour en savoir plus, nous tentons d'aller à la Chambre d'agriculture où se trouve Ghislain Pierre Essonneau. Bonjour Ghislain Pierre Essonneau. Et bienvenue ici à la Chambre d'agriculture du Cameroun où se tient une rencontre, j'allais dire inédite. Il s'agit de regrouper tous les journalistes camerounais d'expression anglaise qui sont venus du sud-ouest, du nord-ouest, mais également du littoral, sans compter la région du centre où ils sont également implantés. Question d'instrumenter sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, si on parle d'une rencontre inédite, c'est parce que précisément la qualité des participants relève de l'inédit, tout comme les sujets qui seront abordés à l'occasion de cette rencontre à caractère national qui s'est voulue ainsi par cette association. Celle des journalistes d'expression anglaise du Cameroun. Ils sont donc au total une cinquantaine qui vont devoir échanger sur le thème qui a trait justement à la culture de la paix par rapport à leur activité au quotidien, c'est-à-dire pratiquer le journalisme. Eh bien, il s'agit d'aller également contribuer à ce qu'il est convenu d'appeler l'apaisement par rapport à la crise sociopolitique que le Cameroun traverse dans le nord-ouest, mais également dans le sud-ouest camerounais. C'est donc une rencontre inédite et je m'en vais à la rencontre justement d'un journaliste qui, lui, travaille au quotidien dans l'une des parties en crise au Cameroun. Je m'en vais donc accueillir Larry Esson. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Sono, je suis vraiment enchanté de me recevoir sur vos antennes. Alors, vous êtes directeur des publications d'un journal camerounais d'expression anglaise, de Scoop. Oui. Alors, vous êtes basé du côté du Kumba. Oui, je ne dirais pas qu'il y a vraiment l'ambiance assez positive pour le moment parce que vraiment les choses ne sont pas comme nous espérons. Alors, est-ce que vous avez des contacts avec les populations au niveau de la base locale quand vous effectuez des reportages? Est-ce que vous allez à la rencontre des gens? Est-ce que ces gens vous parlent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent en réalité qu'ils veulent la paix. Tout le monde veut la paix. Même ceux qui sont en brousse, qui sont considérés aujourd'hui comme des séparatistes, ils veulent la paix. Mais comment aborder ces paix? Cela se pose la question. Parce que quand nous constatons... Ceux qui sont tués ne sont pas des animaux, c'est des Camerounais. Si les militaires sont tués, c'est les Camerounais. Si les séparatistes sont tués, c'est les Camerounais. Les civils qui tombent par balle perdue ou bien quoi que ce soit le cas, c'est des Camerounais. Et moi, je pense que la première des choses pour nous, c'est d'essayer de prêcher
cette paix et d'essayer de voir comment on peut amener les deux parties à s'entendre et pour qu'on puisse vraiment avoir une paix qui doit permettre aux gens d'aller dans des activités quotidiennes. Alors, concrètement, vous allez participer à cet idéal-là, à cet effort de retour à la paix, retour à la normale dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Alors, la question c'est concrètement, comment est-ce que vous, journaliste, vous allez y participer? Le journaliste que nous sommes a le droit et le devoir de prêcher la paix, de mettre les choses. C'est vrai qu'il y a certaines situations qui doivent provoquer un journaliste à dire, mais il y a certaines vérités que on ne doit pas carrément dire. Alors, Larry Esson est directeur de publication du journal The Scoop. Il est par ailleurs le vice-président national de l'Association des journalistes camerounais d'expression anglaise. Il participe aux côtés des autres journalistes de la même expression à ce grand rendez-vous qui vise justement à participer d'une manière ou d'une autre à ce que la situation revienne à la normale dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. C'est donc une rencontre inédite qui regroupe les journalistes à la fois de la télévision, de la radio, du web, mais également de la presse écrite. Voilà donc l'ambiance ici en ce jour où se déroulent ces travaux, je l'ai dit, qui sont inédits. C'est à vous. Merci Gisèle Pierre Sono. Alors maintenant à Bidjouka, dans la région du Sud, où les jeunes veulent accélérer le processus d'obtention des actes de naissance des populations et œuvrer pour le développement de cette localité. Pour y arriver, ils se sont réunis massivement pour une séance de travail qui a duré plusieurs jours, des réflexions qui se sont soldées par des activités de divertissement, comme va nous le montrer dans ce compte-rendu Sorel Beau et Serge Alain Zibou. Véritable retour aux sources qu'effectuent ces jeunes de Bidjouka, localité située dans la région du Sud. Ils sont là pour deux raisons précises. D'abord, l'accélération du processus d'établissement des actes de naissance pour les populations, tout âge confondu. La confection des actes à nos parents et à nos petits frères qui sont au village et qui ont le problème d'avoir ce sésame qui est le premier diplôme, qui est l'acte de naissance, et la réhabilitation du centre de santé de Bidjouka est l'un de nos leitmotifs. L'amélioration de la prise en charge de ses habitants fait donc également partie de leurs priorités, tout comme le développement du coin. C'est d'ailleurs ce qui justifie cette forte mobilisation. De rassembler tous les enfants de Bidjouka partout où ils se trouvent, sans aucune discrimination, et leur donne la motivation à participer désormais dans toutes les actions de développement qui peuvent être initiées pour le compte de notre village. Et Bidjouka n'est pas pour un seul fils, c'est pour nous tous. Et si nous voulons que Bidjouka sorte, prenne ses lettres de noblesse, nous devons nous rassembler. Au-delà des réflexions, les activités de divertissement étaient également au menu de cette descente, notamment la visite de la chute mythique devenue un site touristique appelé Billy Bichop et un match de football. En Consamba, trois jeunes filles abusées sexuellement par un quinquagénaire au quartier Diakap. Le poteau rose a été découvert par la grand-mère des victimes le 15 août dernier. Le présumé coupable a été conduit à la brigade de Kantembeng pour une enquête se poursuit actuellement. Le reportage est signé Aïssatou Adjoumi et Manion Gopa. Accusé de viol hier matin à Consamba, le présumé coupable Jean-Pierre, 59 ans, vivant au quartier El Diakap au lieu dit Monument Foué, est pointé du doigt par trois fillettes, l'une âgée de 5 ans et deux autres âgées de 9 et 12 ans. Pour la plus grande, elle a fui quand papa Jean-Pierre a commencé à la toucher partout. Pour les plus petites, papa Jean-Pierre leur mettait souvent le doigt dans les parties intimes en les menaçant de mort en cas de trahison. Il les donnait aussi des pièces de 5 francs de temps en temps. La grand-mère des enfants, très atteinte par cette situation, reconnaît ce dernier comme un voisin et frère du village Bamedjou, qu'elle considérait comme un beau-frère et qui avait toujours son plat chez elle. C'est elle qui l'a conduite à la brigade de Kantembeng où une enquête a été ouverte. Jean-Pierre, qui selon les voisins a fait près de 35 ans à l'étranger et est rentré pauvre et transformé en buveur de dingue. Certains disent qu'il a eu deux enfants avant de voyager. Il nie en bloc tout ce qui lui est reproché. Il dit être innocent.
à Maroua et l'insécurité règne dans ces villes. C'est dans cette ville, le 9 présumés malfrats séjournent dans les geôles du commissariat central. Ils ont à leur actif plusieurs vols et agressions à main armée. Le reportage est signé Aïssatou Adjoumé et Aïssatou Bouba. 9 présumés malfrats sont aux arrêts dans la ville de Maroua. C'est avec le concours des éléments de son commandement et du soutien de la population que le commissaire divisionnaire de cette localité a réussi à mettre la main sur ces malfaiteurs accusés de braquage et d'agression à main armée. On voit la police est au service de la population. Nous voulons une police, comme a toujours demandé la haute hiérarchie, une police de proximité. Nos portes sont ouvertes, les dénonciations, nous les accueillons, nous venons vers la population. Et je vous assure que la population a également participé dans ce travail que nous attendons à mener. Et donc nous ne lâcherons pas, nous ne baisserons pas les bras. Le gang ainsi démantelé est constitué de mécaniciens chargés de refaire les motos volées afin de les revendre dans les localités voisines. Ils égrattent les numéros de châssis. Ils ont des spécialistes qui remontent d'autres numéros de châssis à leur profit pour pouvoir les ventiler. Ceux qui le font de façon, je peux dire, docile, utilisent des stupéfiants qui endorment leurs victimes. Et ils vont même de façon beaucoup plus violente. Pas plus tard, il y a deux nuits, un jeune homme a été tué du côté de Ouroutchédé. Et ce jeune homme apparemment a reçu un bon coup de machette qui l'a assommé et l'a rendu là. À en croire le commissaire central de la ville de Maroua, l'arrestation de ces présumés voleurs servira à mettre la main sur les autres malfaiteurs qui courent encore dans la nature. Le reportage est plutôt signé Charlotte Noupégué et Aïssa Toubouba. Poursuivons l'information de la Mi-Jeunesse Canada International avec le personnel en charge de la gestion financière de l'Université de Maroua, outillé à travers une formation sur le renforcement des capacités en vue d'une amélioration de la gouvernance financière. Une formation organisée par le ministère des Finances à l'attention de tous les responsables de la chaîne de gestion. Plus de détails avec ce reportage signé Aïssa Toadjoumé et Alioum. Le ministre des Finances vient d'organiser un atelier à l'intention de tous les responsables de la chaîne de gestion des finances des universités d'État. Un séminaire de renforcement des capacités en vue d'une amélioration de la gouvernance financière des 10 institutions sur le thème. Technique de gestion des finances publiques et amélioration de la gouvernance financière au sein des universités d'État. L'atelier a pour cible les responsables intervenant dans la chaîne financière. Il s'agit en effet de 10 responsables identifiés pour chacune des universités d'État, à savoir les chefs des divisions des affaires académiques, les chefs des divisions des affaires administratives et financières, les chefs des divisions du budget et des affaires financières, les directeurs financiers, les contrôleurs financiers, les agents comptables et les comptables matières, entre autres. 4 principaux thèmes sont retenus à l'ordre du jour, à savoir la gestion des affaires administratives et académiques, la préparation et l'exécution du budget programme, l'exécution de la commande publique et la confection à la transmission des comptes à la Chambre des comptes. L'objectif global de cette formation est de permettre aux responsables exerçant dans la chaîne de gestion des finances des universités d'État d'accomplir leurs devoirs conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Pour les participants de ce séminaire à l'Université de Maroua, ils attendent que cet atelier renforce effectivement leur capacité de gestion afin d'améliorer leur travail. Aboubakar Soulé, formateur et membre du comité d'organisation qui a conduit cette mission conjointe de l'inspecteur général des services des régies financières du ministère des Finances. Ces ateliers ont pour objectif l'amélioration de la bonne gouvernance au sein de nos universités d'État, comme vous le savez, constitue le socle de notre système éducatif. Bien sûr, l'université de Maroua est parmi le bébé de notre système éducatif. Et l'État attend beaucoup de l'université de Maroua. Et vous savez, les finances, on dit qu'il tient... Les finances constituent vraiment la cheville ouvrière pour la bonne marche de toute institution. L'atelier de Maroua, tenu mardi dernier, a réuni tous les membres exerçant dans la chaîne de gestion des finances de l'Université de Maroua au campus de Kongola Djulkouf Kodek, présidé par le recteur de cette institution.
La célébration de l'Assomption joue les prolongations dans cette édition de la mi-journée, plus précisément à Bouda, où les chrétiens catholiques ont célébré la montée de la Vierge Marie au ciel. Ils ont profité de cette célébration pour confier leur vie à Dieu, tout en implorant le Seigneur pour la paix et la joie dans le cœur des Camerounais. C'est un reportage signé Charlotte Nupegui et Marius Ngassa. Célébration de l'Assomption dans la localité de Mbouda, située dans la région de l'ouest de Cameroun. Dans la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Bamissingué, les chrétiens catholiques célèbrent la montée de la Vierge Marie au ciel. Une messe à l'occasion est dite par l'abbé chrétien Tala, qui dans son homélie implore la paix dans le territoire camerounais. Nous devons apprendre à intégrer cette parole de la Vierge Marie et à écouter par conséquent la voix de Jésus qui nous dit de travailler pour la paix, qui nous dit de travailler pour l'amour en nous-mêmes, l'amour autour de nous, Jésus qui nous dit de travailler pour que les hommes puissent vivre dans l'amour, qu'ils puissent vivre dans la paix. Même son de cloche dans la paroisse Saint-Joseph de Bameboro, où la messe est officiée par l'abbé Amel Kamga. Elle nous invite par obéissance dans la foi à travailler aussi pour les œuvres d'évangélisation en faisant comme elle. Elle a su dire au Seigneur et surtout une précision biblique importante. On dit Marie méditait ces événements et les gardait dans son cœur. Après une brève présentation de la Vierge Marie et de son rôle dans la vie du croyant, de nouveaux chrétiens se sont engagés dans la foi par le sacrement du baptême. À Yaoundé, les travaux de remplacement des 19 cellules de poste de transformation des Néo à Mélène débutent à l'instant. Les 19 cellules viennent d'être livrées et arrivent sur le site, ce qui augure d'un retour à la situation quasi normale dans une dizaine de jours pour ce qui est de l'énergie électrique. Faisons le point sur la place avec Rodrigue Tonguet et Hubert Nouti. Célébration de l'Assomption. Transformateur, le poste transformateur de Mélène, le poste de Néo qui a été sinistré le 7 août dernier en raison d'un incendie qui a frappé 19 cellules. Vous pouvez voir ces cellules-là ici au poste transformateur. Elles ont été affectées par cet incendie qui s'est déclaré ici et qui empêche 28% de la population de Yaoundé de jouir de l'électricité régulièrement et qui a poussé Néo à procéder également à un rationnement de l'énergie, ce que nous appelons trivialement les délestages. Il s'agit bien des Néo. Et pour pallier la situation, pour pallier ce manque, il y a 19 nouvelles cellules qui sont arrivées au Cameroun et vont être installées à partir de ce jour. Et donc, à partir de ce jour, il faut compter 7 jours pour le remplacement de cette cellule et revenir à la situation hantée, c'est-à-dire à la situation avant l'incendie du 7 août, une situation qui permettait d'avoir de l'énergie électrique dans les ménages de façon rationnelle, même si on n'était pas à l'abri de toute coupure. On va commencer les travaux ici, aujourd'hui, et Néo a tenu à ce que les médias informent l'opinion publique du démarrage de ces travaux qui vont peut-être susciter l'embellie annoncée par le ministre de l'Énergie et de l'Eau il y a quelques jours en conférence de presse avec le ministre de la Communication. Est-ce qu'on s'achemine vers la fin de la crise qui a frappé Yaoundé il y a une semaine déjà, la crise de la fourniture de l'électricité ici au poste transformateur de Mélène à Néo? On dit oui, sans hésiter. Nous suivrons naturellement cette actualité, Robert Charles. Merci, Rodrigue Tonguet. Mesdames et messieurs, rappelons que le gouvernement a effectué une sortie pour expliquer la pénombre de Yaoundé après une semaine d'un sévère rationnement de la fourniture d'électricité dans la capitale. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, qu'accompagnait le ministre de la Communication, les responsables de Néo et la société en charge du transport électrique sont montés au créneau pour annoncer des mesures urgentes et précises pour une réponse rapide. Rodrigue Tonguet, une fois de plus, c'est Jalin Zebou pour plus de détails. Pilule amère mais incontournable. Elle est confirmée par l'une des voix les plus autorisées. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie en conférence de presse conjointe. Un programme de délestage qui est publié dans les réseaux sociaux. Je vois que Néo a pris le soin de publier ce programme de délestage. Nous sommes obligés de retirer certains ménages, donc de couper. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous délestons, même si tous les ménages sont connectés. Effet immédiat de la rupture d'énergie durant des heures dans les ménages de la capitale.
devant la presse. Les autorités publiques indiquent que c'est 28% de demandes en énergie dans la ville de Yaoundé qui souffriraient seules si l'on ne procédait pas au délestage. C'est celle connectée au poste de transformation de Mélène, sinistrée par un incendie depuis le 8 août dernier. Les Yaoundéens appelés à souffrir ensemble, à l'exception de quelques privilégiés. Les endroits sensibles, comme les hôpitaux, comme les stations de pompage et de traitement d'eau, parce que s'il n'y a pas d'énergie, il n'y aura pas d'eau. Du ministre Elundo et Somba, la presse apprend que dès le début des travaux, il faudrait 7 jours pour un retour à la situation antérieure au 8 août. Sauf autre surprise qui modifierait ces délais. Nous devons nous assurer que la reconnexion se fait dans les délais brefs, mais en toute sécurité. Sécurité des hommes et sécurité de la fourniture en électricité. Et s'il y a un glissement de date, si nous n'arrivons pas donc à délivrer dans les délais qui ont été prescrits, nous informerons le public à temps. Pour le porte-voix du gouvernement, cette sortie conjointe vise à rassurer les habitants de la capitale contraints de modifier leurs habitudes. Je pense que ces éclairages vont permettre également de mettre un terme à un certain nombre de spéculations qui avaient cours ici et là, et au moins nous conforter dans le sentiment que toutes les mesures sont en train d'être prises par le gouvernement et par les organismes dédiés pour faire face à la situation. Embellie dans une dizaine de jours, promesse gouvernementale. C'est bon. Poursuivons cette édition de la mi-journée avec ce communiqué des judoka camerounais. La Cameroun Team Olympique a déjà pris ses quartiers à Rabat au Maroc à l'occasion des Jeux africains. Pour bien entrer dans la compétition, les judoka ont déjà débuté la phase d'acclimatation. 8 athlètes dans la catégorie des 80 kg, 71 kg et 58 kg vont tenter de glaner le maximum de médailles pour hisser haut le drapeau camerounais. Parlons maintenant de culture, Riagogo, l'événement d'humour le plus couru en ce moment au Cameroun. Les amateurs du fou rire ont rendez-vous demain soir à Douala-Bercy pour l'enregistrement du programme diffusé sur Canada International et sur Canada Movie. Yasser Trésor Tanong et Thierry Nana ont rencontré quelques guest stars comme Marcus, Mr. Leo et bien d'autres. Suivons le reportage. Sur Canal Matin ce vendredi, les artistes invités à Rire à Gogo confirment leur présence pour le show de ce samedi à Douala-Bercy. Mr. Léo, Marcus et Blaise Calaba se disent prêts. Les gars, Rire à Gogo c'est demain. En juillet, j'ai eu un trophée spécial quelque part. Demain, vous allez voir la raison de ce trophée. Je vais me fâcher, je vais saccager. Ce samedi 17 août à Douala-Bercy, Marcus promet des numéros encore plus originaux. Sur le plateau de Rire à Gogo. Vous avez l'habitude de suivre mes histoires de Kwangler, les Yuron, Tongwantem, le Kwain Kurumbengyangdi, Mamalib, Korayom. Demain, c'est les histoires de la famille le Kondo. C'est-à-dire les histoires de Bang le Kondo, Koyob le Kondo, Kwai le Kondo, Nyang le Kondo et Man le Kondo. Vous ratez ça, vous avez raté le meilleur. Ne manquez pas le rendez-vous. Bout bambong, mam, les gens font les choses. Côté chant, comme il est de coutume avec des artistes vedettes, Mr. Léo ne va pas s'économiser. Et petit à petit, pala pala, don't on fight. Une fois devenu deux fois, trois fois devenu quatre fois. Retrouvez-moi demain à Douala-Bercy pour l'émission Rire à Gogo à partir de 19h. Venez massivement car demain je mets le feu sur scène. Je réserve beaucoup de surprises pour tous mes fans. Si tu veux vraiment savoir ce qui va se passer demain, tu n'as qu'à venir. Et le feu sur scène, j'invite tout le monde. Rire à Gogo est enregistré et diffusé sur Canal 2 International et Canal 2 Movies. Le public de Douala est massivement attendu ce samedi 17 août dès 19h à Douala-Bercy. Billet couple 5000 francs CFA. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information par rapport à l'enregistrement du programme Rire à Gogo sur Canada International que nous fermons cette édition de la mi-journée. Nous vous souhaitons de passer un très bel après-midi. Au revoir et à demain, s'il plaît à Dieu.